Bonjour. Après le film de Tim Burton et son exploration de Gotham City en 1989, il a également eu entre les mains un projet fou, Superman Lives, qui a finalement été abandonné, mais qui a eu un parcours digne des montagnes russes. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce film, du casting à l'intrigue et surtout les raisons de l'abandon, et c'est juste après ça. Tim Burton est rapidement devenu connu pour son style unique en tant que cinéaste, combinant des éléments d'horreur et de comédie, et cela a été introduit dans le genre des super-héros avec Batman de 1989, qui a placé Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne, Batman, un rôle qu'il a repris pour le retour de Batman en 92. Alors que les films de Burton et Keaton sur Batman sont largement considérés comme ceux qui sont les plus solides du personnage dans l'histoire du cinéma, Burton a également failli réaliser une version de Superman sur grand écran. En 1996, Kevin Smith a présenté son idée d'un nouveau film au producteur John Peters. Et bien que Peters ait une liste stricte de demandes, Smith a été autorisé à écrire le scénario de Superman Lives. Robert Rodriguez, de Une nuit en enfer, s'est vu offrir la possibilité de le diriger. Mais en raison d'un engagement préalable, Smith a suggéré Tim Burton comme réalisateur. Après que Burton ait conclu un accord avec la Warner Bros., une date de sortie provisoire, 1998, a été fixée. Cependant, Superman Lives a été abandonné après divers problèmes de production. Depuis lors, de nombreux détails ont été révélés sur ce film insaisissable et les raisons pour lesquelles Superman Lives ne s'est jamais produit. Commençons par le casting qui est fou. La plus grande opportunité manquée du film est peut-être le fait que Nicolas Cage aurait joué Superman. Alors que beaucoup ont critiqué ce casting, Cage aurait été choisi pour le rôle car il pouvait dépeindre l'aliénation du personnage. Dans le cadre du scénario pour Superman Lives, le jeune Kal-El a été placé dans sa fusée vers la Terre sans aucun guidage, grandissant avec sa plus grande peur étant d'être un extraterrestre. Cage a réussi les tests d'écran pour Superman Lives, mais le monde n'a jamais eu la chance de voir cette version plus sombre et plus émotionnelle de Clark Kent. Ensuite, Chris Rock a été choisi pour un rôle. Connu principalement pour ses rôles comiques, Chris Rock était attaché au projet confirmé pour jouer le rôle du photojournaliste du Daily Planet, Jimmy Olsen. Olsen aurait été le collègue de Clark Kent et Lois Lane au Daily Planet et aurait donc été proche de l'action. Olsen était décrit comme un personnage drôle dans les comics, il était donc logique d'avoir un acteur jouant la comédie dans le rôle. Rock s'est depuis exprimé sur l'état d'avancement du projet, il avait apparemment une garde-robe déjà disponible et a vu des décors, tout en étant déçu de n'avoir jamais eu l'opportunité d'être dans un film de super-héros. Il est rare qu'une histoire de Superman soit racontée sur grand écran sans que Lois Lane ait un rôle à jouer. L'amoureuse de longue date de Clark Kent, Lois Lane, a été interprétée par Noelle Neal, Margot Kidder et Amy Adams, entre autres, mais c'est presque Sandra Bullock qui a assumé le rôle de ce projet. Le film aurait exploré la relation naissante entre Lois Lane et Superman, même si Clark Kent aurait eu des difficultés à s'engager dans la relation en raison de sa crise d'identité. À la fin du film, Lois aurait révélé à un Superman qu'elle était enceinte de son enfant dans un twist amusant. Lors de la production du film, de nombreux acteurs auraient été attachés au projet et des dizaines de noms ont été lancés pour remplir les nombreux rôles principaux du film. Parmi eux se trouvait Ben Affleck dans le rôle de Clark Kent. Affleck incarnera plus tard l'acteur de Superman George Reeves dans Hollywoodland en 2006, mais deviendra peut-être mieux connu pour avoir incarné Bruce Wayne Batman dans le DCEU avec Batman vs Superman, etc. D'autres noms qui ont été lancés pour d'autres rôles dans le même univers du film incluent Famke Janssen, Jack Nicholson, John Mahoney, Jason Lee, Courtney Cox, Julianne Moore et Will Smith. Passons maintenant à l'histoire du film et plus encore. Alors que le projet a subi diverses réécritures après le scénario originel de Kevin Smith, la plupart d'entre eux ont basé l'histoire sur le même événement croisé DC Comics, la mort de Superman. Publié entre décembre 92 et octobre 93, The Death of Superman était divisé en trois arcs. Doomsday, qui se terminait par la mort de Superman, Funeral for All Friends, où l'univers DC pleurait sa mort, et Reign of the Superman, qui a introduit 4 imposteurs de Superman avant le retour de l'original. Des éléments de cette histoire ont ensuite fait leur chemin dans Batman vs Superman du DCEU et Justice League de Zack Snyder, ainsi que le Arrowverse pour la CW. Le scénario du traitement original du film par Kevin Smith était rempli de méchants pour que Superman de Nicolas Cage se batte.
Brainiac aurait été à juste titre le cerveau derrière le chaos car il est l'un des plus grands ennemis de Superman dans les DC Comics. Dans Superman Lives, Brainiac aurait été responsable de la destruction de Krypton et juré de traquer Kal-El car il était le seul survivant de la dévastation. Le film aurait également révélé que Lex Luthor était sur le point de découvrir la véritable identité de Superman, et il s'est donc associé à Brainiac pour détruire Superman, le duo fusionnant en une entité cyborg connue sous le nom de Lexiac. La puissance combinée de Brainiac et Lex Luthor aurait été assez folle, mais le film aurait également demandé au duo de créer Doomsday dans le but d'éliminer Superman une fois pour toutes. Une bataille entre Superman et Doomsday aurait eu lieu, un peu comme dans Batman vs Superman en 2016, entraînant la mort de Superman et la quasi-destruction de la Terre sans le retour triomphal de l'homme d'acier. Selon les rumeurs, Christopher Walken assumerait le rôle de Brainiac tandis que Smith voulait que Michael Rooker incarne Lex Luthor. Dans le scénario original écrit par Kevin Smith, plusieurs modifications ont été apportées en raison de la liste de demandes de John Peters, le producteur, disant que le personnage ressemblerait à un Boy Scout envahi par les ennemis. Peters ne voulait pas que Superman vole dans Superman Lives, bien que ce soit l'une de ses caractéristiques les plus reconnaissables. Afin que les pouvoirs de Clark Kent soient complètement diminués pour respecter les souhaits de Peters, Smith a écrit que Brainiac bloquerait le soleil pendant toutes ses attaques. Étant donné que les pouvoirs de Superman sont alimentés par la lumière du soleil, bloquer le soleil le rendrait complètement impuissant. Du moins, jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire et s'envole dans un flou invisible. Et donc, ça a été annulé. Superman Lives a traversé l'enfer du développement à la fin des années 90, le scénario étant réécrit 4 fois et plusieurs réalisateurs approchés pour diriger le projet après le départ de Burton pour travailler sur Sleepy Hollow en 99. Les exigences strictes et ridicules de John Peters pour l'histoire, ainsi que sa persistance à faire avancer le projet qui ne fonctionnait manifestement pas, ont entraîné des coûts élevés pour Warner Bros. Des costumes ont été créés, des décors ont été conçus, des scripts ont été écrits, et le marketing avait même commencé à promouvoir le film pour une sortie en 98. Lors de sa dernière mise à jour en 2002, le film aurait coûté plus de 30 millions de dollars, sans jamais sortir. Et donc, le projet a été annulé quelques semaines seulement avant le début du tournage, car des éléments de pré-production, comme le processus d'écriture du scénario, ont subi des revers, malgré le fait que d'autres domaines du film se déroulent complètement bien. Après que Wesley Strick ait réécrit le scénario original de Kevin Smith, Dan Gilroy a été amené à réécrire celui de Strick, que Warner Bros. Jugeait beaucoup trop cher. Warner Bros. Avait produit de nombreux ratés au box-office dans les années 90, notamment Batman et Robin, The Postman et Sphere, ce qui signifie que Superman Lives ne valait vraiment pas le risque. Avec une nouvelle version de Clark Kent sur le devant de la scène dans Superman Legacy de James Gunn, il est probable que Superman Lives n'arrivera jamais, et donc c'était la première et la dernière fois qu'on a vu Nicolas Cage avec The Flash. Franchement, je pense sincèrement que le duo Nicolas Cage-Sandra Bullock aurait pu être vraiment très cool, et peut-être même que le film aurait pu être fou avec Tim Burton derrière la caméra. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye.